Aujourd'hui, je suis dans un stage d'un jour avec Pauline Marois, parce que je lui ai écrit avant, au début de la campagne électorale. Okay. Puis je lui ai demandé si je pouvais faire un stage d'un jour avec elle, parce qu'il fallait que je fasse un stage pour l'école du métier que je voulais faire plus tard. Puis moi, je voulais être premier ministre pour le Parti québécois. Donc, c'est ça que je lui ai écrit, puis je lui ai demandé si je pouvais faire un stage d'un jour avec elle. Donc aujourd'hui, elle est venue me chercher à l'école, puis je ne savais pas, c'est une belle surprise. Comme tout le monde, vous allez faire un stage d'un jour, mais il y en a un qui a eu le culot d'écrire un courriel à Mme Marois pour lui dire qu'il voulait devenir premier ministre. Alors, elle est là aujourd'hui pour venir le chercher, pour qu'il puisse passer une journée avec elle. Alors, Simon Pigeon, Mme Pauline Marois. Tu voulais faire un stage parce que tu veux être premier ministre du Québec. C'est vrai. Premier ministre d'un gouvernement du Parti québécois. C'est vrai. Alors, je t'invite dans ma caravane aujourd'hui pour faire le stage avec nous. Je pense que tu t'attendais pas à ça, là. Hein? Je pense que tes camarades n'étaient pas dans le coup non plus. Hein? Personne ne savait. Alors écoute, on va passer ensemble une super belle journée. Il va vous revenir demain là, pour se préparer pour être premier ministre, parce qu'il ne peut pas l'être tout de suite, c'est moi qui vais l'être avant lui. Alors, ça va être très agréable. Je peux peut-être dire à tes camarades, il va venir avec moi dans l'autobus. J'ai des entrevues aujourd'hui, j'ai des téléphones à faire, j'ai des rencontres de gens qui vont venir me voir et que je vais aller voir. Alors, il va m'accompagner, puis on va faire autre chose aussi. Tu vas pouvoir te retrouver dans l'autobus des journalistes. Parce que quand on fait campagne comme ça, on a ce qu'on appelle l'autobus de la chef. C'est un autobus qui est organisé pour qu'on puisse travailler sur ordinateur, faire nos téléphones, préparer nos rencontres. Alors, tu vas être avec moi un temps. Mais nous suit des autobus qui servent aux journalistes pour préparer leur reportage, pour écrire leur papier. Alors, tu vas pouvoir faire un bout avec eux. Ça va? Et puis, bon, ta mère, c'est pas trop loin, là. C'est occupé de toi pour que tu aies des belles bagues et tout. Alors, on va régler ça dans le bus. OK. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous le confisque pour une journée de stage comme futur premier ministre du Québec. Ah, oh, elle est vraiment gentille. Elle est vraiment humaine, Pauline Marois. C'est ça que j'aime. On a du fun, on a ri. Elle m'a tout expliqué en gros, là, parce qu'elle ne peut pas tout expliquer. Qu'est-ce qu'elle faisait dans une journée, elle m'a montré son horaire, elle m'a tout montré, qu'est-ce qu'elle faisait, avec qui elle était accompagnée. Je vois qu'elle a vraiment, vraiment, elle a vraiment beaucoup de monde qui travaille pour elle, puis qui l'aide, puis c'est vraiment une grosse job là, que de faire une campagne électorale.